et le DG de la PNH, l'inspecteur général en chef de la PNH et d'autres membres du haut commandement. Scoop FM, Radio Télé Caraïbes et Radio Télé Pacifique permettent la population à vivre évidemment ça à côté de la caillou. Donc, à vous l'antenne, monsieur le président. À vous le micro, monsieur. Remercier et saluer la présence tous les médias qui l'a représenté et même ça qui va représenter. L'État, à travers l'exécutif là, nous trouver face à la responsabilité. Bien que le dernier CSPN là, nous avons programmé chaque semaine, pour nous réunir, pour nous évaluer, pour nous apprécier, pour nous orienter et pour nous convoquer la presse qui c'est les yeux, les oreilles, population, pour nous informer population à travers la presse qui s'accable régler dans affaires sécurité. Je rappelle encore une fois, CSPN n'a pas une structure, ce n'est pas une instance administrative qui est liée. CSPN n'a, Jean la loi, orientation. Et orientation faite dans Brasserie. Il est même composé CSPN. Je dis, nous présents, nous sommes brassés l'idée, nous présents devant la population à travers la presse par rapport à l'inquiétude population hier sur ça qui passait dans la rue. Côté que dans toute démocratie, nous avons quitté un groupe citoyen ces policiers qui voulaient faire passer les revendications. Les revendications qui n'ont pas jamais suspendu qui préoccupe juste et qui préoccupe nous au plus haut niveau de la responsabilité de la chose publique. Stabilité, c'est ça qu'on a cherché. C'est ça, peuple, dans toute composante. Stabilité, ça, est possible seulement la sécurité joue rôle de jouer. Je m'a demandé pour tout le monde noter depuis le mois de mars, c'est moi-même j'ai une responsabilité ça. Au niveau de l'État, j'ai choisi de travailler avec la police nationale d'Haïti qui s'est limité. Hier, groupe citoyen, ça, qui a décidé de faire passer les revendications, qui a gagné la liberté, qui a fait des cafouilles au port, rivé jusqu'à Pétionville, devant la direction générale PNH. C'est pas message ni commission n'a porté par personne pour dire avec la démocratie qui n'est pas cadrée avec la liberté
de circulation. Côté dans l'heure que l'incident est arrivé, il y a un pilote monde dans la société. Même gens eux-mêmes, ils ont été choisis dans l'heure ça pour venir faire passer les revendications à travers une manifestation. Il y a l'autre monde, ces machins, banquiers, élèves d'école, professeurs d'école, qui étaient dans le qui a occupation en toute liberté. Comportement ça, il était en pire. Action qui a servi la police nationale dans la difficulté. Vous remarquez tout. Citoyens, ça, jeunes garçons et jeunes filles qui étaient choisis. Même gens avec l'autre monde dans l'autre activité, qui étaient servicieux dans sa nouvelle fonction publique, avec tout engagement, les conséquences qui continuent à faire revendication, arriver plus loin, jusqu'à ce qu'ils arrivent sous champ de masse. Sous champ de masse, côté qui était gagné en pile citoyen dans le Sahara, qui ont même tout, qui ont droit. Policières, jeunes filles, jeunes garçons. Engagement. Qui était abouti à l'identification, après formation, tu as signé un engagement, un document qui était baillé, droit à devoir par rapport à fonctionnement de l'institution. Policier, ça, qui était dans la rue, au niveau champ de masse, tu as fait un pile de dégâts. Nous ne pouvons pas prendre personne de monde là, que les journalistes, que les gens qui branchent. Je vous dis, ça qui est passé sous le champ de masse. Et la situation, ça a été mis en population. Situation difficile. Ils ont tiré, ils ont brûlé bien public, parce que j'ai la loi dit. Que l'État mette campé, quel que soit côté, de considérer comme l'État, à travers l'exécutif, qui vient sécuriser la population, qui sont responsabilités communes, que n'a fait, que nous devons faire, que n'a continué. Avec structure qui relie sécurité publique, là, avec le ministère de la Justice, le ministère intégré au niveau renseignement, et nous avons remarqué la présence du ministre de la Défense là, qui l'a tout, qui lui-même, au niveau renseignement, au niveau pour prendre des décisions. Décisions. À mener j'ai l'habitude de dire là à situation tout le monde situation policière les affaires tout policier les affaires assurées. Affaires logement aux policiers, ces affaires. J'ai noté d'ici, revendications sont en pile. Nous devons attendre pour nous apprécier, pour nous évaluer et pour nous placer dans ça que nous relais, le circuit du temps.
Ça veut dire qui ça? Gagner, résoudre à court terme. Vous pouvez répondre à ça. Je veux dire, j'aime ça questionner différents responsables, forces là, sous affaire prendre des risques. La police, côté que nous avons des 8 mois, les dimanches, pas gagné ça encore. Et nous avec tout policier qui a droit à prendre des risques. Ce n'est pas tout policier qui a droit à ça. Mais moi, je crois que à travers l'exécutif, là, fait effort pour répondre à l'obligation qu'il gagne envers les policiers. Que si tu l'hôpital Ben Ames avec bah, soins santé à policiers, à famille policiers aux besoins qui gagnent l'État et répondre. Tout ça qui fait partie des revendications de la police. Que nous sommes passés dans une période que nous réglons court terme. Nous d'accord. Nous d'accord, il y a des revendications qui vont faire partie des périodes moyen terme. Nous travaillons sur tout. Augmentation salaire aux policiers, augmentation capacité aux policiers, parce que ça m'a dit un budget. Je me suis dit la dernière fois, budget, son budget qui a gagné prévision pour ça, malheureusement, nous tous connaissons qui j'en ça. Il n'y a pas gagné obstacle ça encore. Moi, je vais parler d'approbation. Pouvoir qui forme l'État, qui c'est Parlement, pas guère obstacle ça encore. Mais, il faut noter, depuis quelque temps, le président de la République, là, dans le cadre d'une dynamique de responsabilité publique partagée avec l'opposition politique, là, pour eux-mêmes, ensemble, dans le cadre d'un accord. On réponse à tout problème qu'a traversé la majorité de la population. Donc, dans la situation, la police m'a dit un budget. Effectivement, qui n'a pas passé par décret, mais ça m'a dit. Il y a un gouvernement qui a sorti en gagnant contre pour continuer la destinée nation. Il y a un tour de revendications qui a réfléchi sur la situation de la police là, placée dans le circuit à long terme. Là. Donc, je voulais parler. Il y a une structure, l'hôpital pour la police. On a parlé tout, renforcement pour la police dans les affaires équipement. Oui, la police a dû dépendre des services ambulanciers. Gagner pour moyens dans le domaine ça. La police tout. Besoin plus autonomie, moyen dans les affaires pompiers. Oui, pour que l'État baille la police moyen ça. À long terme, je m'en dis, un budget. La police, tout comme l'éducation, tout comme la santé, j'aime te dire dans le début exercice 3 octobre, côté que nous te prenons
décision pour nous modifier taille gouvernement, une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation des dépenses des deniers de l'État fait partie des priorités. La continuer priorité nous parce que pas qu'à l'instabilité sans sécurité, pas qu'à l'insécurité sans la police. Je veux dire, la CSPM, avec présence de forces spécialisées dans la police là, qui n'a bien chance d'identifier là, on veut parler des UGMO, des CIMO. Ben, c'est l'idée qui débouchait sur renforcement plan de sécurité à trois volets que nous avons annoncé. Ben, c'est l'idée tout qui identifiait besoin personnel UDMO dans la police là, avec besoin personnel CIMO dans la police là. Nous prenons engagement en tant que chef CSPN qui a une responsabilité pour orienter les affaires de sécurité dans le pays, ça, nous allons porter réponse au plus vite à ça pour nous capables de mettre en état pour répondre à la responsabilité qui s'est protégée et servir. Pendant, on a annoncé tout. Institution. Mon commandement, l'imam de discipline, l'imam de respect. Le cap sorti en tant qu'académie. Merci. Monsieur le ministre, je vous signale que la conférence a fait en deux parties. Ça, c'est CSPN, le président de CSPN, qui prend position et partage avec nous les dernières dispositions qui prend. Et deuxième partie, il y a un note du gouvernement qui est en public, toujours dans le cadre. Oui. Claude Ginfort, Radio Télémétropole. Merci, Éloge Métropole, Radio Télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, je me permets que vous portiez une petite précision, du moins par rapport à son. D'abord, moi, vous insistez en pile dans des interventions sur le fait que c'est un groupe de monde qui était dans la rue hier. Et puis, l'opinion sur les événements chaque mention ou pas du bon groupe de policiers. C'est des policiers ou de CRIDAM? Première question. Et puis, deuxième question par rapport au carnaval. Hier, il y a un samedi chaque mention, quand le sang s'est brûlé. Est-ce qu'on tient encore? Et si son point sont de côté, je ne vais pas rappeler un groupe de moi. Je un groupe de citoyens, jeunes filles, jeunes garçons qui s'est choisi policiers. Donc, c'est de eux que nous avons parlé et c'est de eux qui est programmé. L'État a enregistré des pertes. Ça va me dire pour autant que quand on va le camper. Nous allons prendre des dispositions. Je vais appeler Jean-Médé Jacques Mel, sous table suivante, sur l'autre média, que le carnaval est une tradition. Une tradition qui fait partie des agenda qu'on connaît même j'avais qui identifie tout rendez-vous qui a un rapport à fête nationale. La hier qui fait face à elle, responsable qui l'État.
de l'État pour le côté loisir et réjouissance populaire. Je vais laisser la pour vous vérifier ma neuf. Il y a des formations qui ont fait quoi que il y a 4 ou 5 parmi les policiers qui ont manifesté hier et qui ont un mouvement syndical qui ont fait cacher une taille pour finir ça pour nous. Et si oui, qui ça nous reproche dans l'institution? M'a salué la presse parlée, écrite, télévisée, et là, m'a salué également les médias en ligne. Dans la police nationale, il régit par un règlement intérieur. Le règlement intérieur, il dit bien, il dit bon, il y a un qui mettez en péril l'image de marque de la police nationale, eh bien, il y a l'inspection générale de la police nationale qui l'a pour l'enquêter, pour le faire. Une disposition qui prend des recommandations à vous. Oui, là, pour vous, oui, le confirmer. Pourquoi? Nous parlons, il va évoquer pour le syndicat, parce que Jean Premier ministre en fait dit, eux, son droit bien, son droit légitime, son droit gagner, travail, meilleure amélioration de bio, traitement qui doit avec vous. Tout le monde dans la société, particulièrement policier, c'est juste pour indiscipliné et violence et acte de vandalisme qui posait et qui portait en péril l'image. On n'a pas des pour tout le monde noter que on voit que à travers qui sur ça, nous voulons passer sous silence comportement. Même groupe policier, ça y est. C'est même groupe policier, ça y est, qui dégagne une enquête de comportement dans l'inspection générale qui aboutit à décision administrative, ça y est. Des ministres de justice là pour être capable de renforcer la décision. Ça. Merci bien. Je pense que le directeur général de la police a précisé le motif pour lequel la révocation a fait un comportement irrévérencieux et qui séditieux qui veut sanctionner par la loi et par rapport à sanctions administratives. Nonobstant, extraction pénale qui est capable d'incendie de biens publics, gagner tentative d'assassinat, et, parce que il y a un monde qui tirait sur l'arme, et il y a un monde qui tirait tout avant même au niveau inspection générale. Donc il y a deux niveaux de sanctions. Il y a d'abord la sanction administrative, notamment irrévérencieux pour acte séditieux. Mais pour, éventuellement, il y a des sanctions pénales aussi qui attendent de ceux-là qui vont enfin l'avoir. Merci. Alors, on t'a posé la question comme c'est ministre de la Culture. Est-ce que Carnaval date-là et c'est ce qui va le reconstruire, est-ce qu'il y a bien sécurité est-ce qu'il y a sécurisé et pour qu'il y ait débloqué, qu'il y ait construit, c'est un saillot. Parce qu'on partit là d'ailleurs à Calais à cause de Biffer. Est-ce que vous l'avez pour débloquer encore ou reconstruire ça? Est-ce que Carnaval a fait la même implication société pour autoriser pour un liquide paper pour effacer l'agenda le 4 et 25 février? Ça, c'est le rendez-vous. Même Jean à 18 mai, même Jean à 25 même Jean à vendredi saint. Donc, 23, 24, 25 février, c'est même date-là. Deuxième, pour la question, est-ce qu'il y a bien sécurité pour s'en reconstruire? Oui, c'est ça, nous sommes avec la police-là. Et c'est pour que ça, ouais, présence pour la première fois, blanc, moi-même, moi, c'est chef CSVN.
intelligence, responsable IDMO et responsable SIMO et responsable tout commissariat Port-au-Prince qui a une responsabilité sécurité dans la zone champ de masse. T'es quand on fond est débloqué, on fait qu'après moi ça là. Et on fait qu'après moi ça là, même à dire depuis que le président Jovenel, président pays, il y a une orientation qui baille nos affaires, création, infrastructure dans les affaires carnaval. Effectivement, dans le temps, l'État, pas quand même le fond historique, parce qu'il y a longtemps dans les affaires carnaval. C'est mairie Port-au-Prince qui était qu'on loué l'espace là et locataire ça. Après, il y a une change. C'est l'État qui vient construire cet environnement. Oui, après un pile enquête, après un pile analyse, nous rendons compte que façon ça n'est pas bon pour l'État. Parce que non seulement c'est un plein monde, ça t'a expliqué que l'État gagne un business dans les affaires stantes, mais le regarder dans le rapport financier, où est au lieu l'État rentre comme pour affaires stantes. Et depuis tantôt 3 ans, nous changer les bagailles là, le monde qui est intéressé dans stand, payer stand avant qu'il ait construit le pour. Dans ce sens-là, l'État rentre un petit pourcentage dans ça. Donc, c'est payer stand pour construire stand. Stand-là, qui boule, c'était investissement secteur privé et des entreprises de l'État qui eux-mêmes étaient dans le temps devant. Pour faire construire cette année. Mais, ça qui passe là, pour douter, c'est un acte d'insécurité publique. Moi, parce que l'État a un engagement et une responsabilité pour le prendre ça. Bonjour tout le monde, très bon chat pour vous en deville. Et, bon, maman, je suis président de la question. Pour la précision, c'est à la directeur général, là, pour la préciser pour nous l'identité. Et ça crée du matériel de travail et l'identité à tout le monde qui est capable de dire. Et budget carnaval, là, s'il vous plaît, dans la ville, vous parlez de revendication policière qui est assurée sur le court terme, vous passez ces fonctionnements qui est assurée dans le prochain budget, en dans la police. Là. Qui s'en fait avec ça, c'est une passée du tout. Et puis pour. Nous t'apprenons un premier coup. Premier ministre, là, je viens à part. Vous parlez d'un cadre budgétaire. Est-ce que le cadre budgétaire, ça, qui est actuellement à l'exécutif, il concerne seulement les dépenses de fonctionnement? Ça peut. Vous pensez que l'État, le gouvernement a fonctionné son budget qui le conduit. Le premier ministre n'a pas parlé des cadres budgétaires, il devait parler de son budget rectificatif. Et j'aimerais dire déjà, le budget rectificatif, ça, je me suis dit tout à l'heure, ça m'a dit engagement, un gouvernement de consensus. On parlait du budget carnaval et côté lié. Année ça, exceptionnellement, intéressé, travail dans les affaires budget carnaval sous réalité, pas sous prévision. C'est ça que moi-même, je vous me dis, nous travaillons déjà sur 3 axes qui sont déterminants dans les affaires carnaval.
Moi, je vais parler de artistique. Moi, je vais parler de sonorisation. Et moi, je vais parler tout de Charles Gould. Donc, réalité pour trois axes à eux, non exactement en 80 et 100 millions de gouttes. Artistique qui regroupait bande déguisée, défilé artistique, char allégorique, gestion rénérois et toute sonorisation, nous connaissons qui sont un gros morceau dans l'affaire carnaval. Donc, nous étions là et jeudi, bon, hier après-midi, effectivement, pour monter à l'axe logistique là, qui lui-même a impliqué les dépenses de services dans les affaires sécurité, urgence et secours, protection civile. Et oui, c'est même pas son seul panier qui est lié. Nous avons travaillé avec le secteur privé. Donc, il y a des gens qui manifestent déjà. Il y a des gens qui peuvent manifester. C'est garanti que le rapport financier à clair et la publique. Bonsoir PM, bonsoir à tous les camarades. Moi, je suis Robertson en France, je m'appelle le journal de l'Église, excusez-moi si je vais vous répondre à cette question. Qui côté la police carrière par rapport à comment l'équipement est-il? Vous avez estimé que moi, c'est avancé dans nos updates. Et PM, cohésion institutionnelle là, tout autant, tout aussi bien que l'équipement est-il, l'important oui, pour la sécurité assurée. Qu'est-ce qu'on a dit, population, je veux dire, par rapport à la cohésion institutionnelle là, qui est nécessaire pour la police là, efficace dans le travail, dans le moment où on a vu gros, on a dit, malaise dans l'institution. Et dernière question, BM, est-ce que nous avons prêché par l'exemple? Je prends le cas, le corps des sapeurs-pompiers, le corps de police. PM, par contre, il faut qu'on passe au ministère. Culture là et commerce là. Les soldats du feu, ceux dont la devise est sauver ou périr, vivent dans la crasse. En un commissaire, en un caserne bombière, bâtiment fissuré, ils sont tissés. PM, c'est un vrai cas, mon pompier, me déwell, un dépassage vers le reportage de l'affaire. Est-ce que, objectivement, et avec la célérité de sa nécessité, n'a posé des actions pour que nous prêchions par l'exemple. Merci un peu. Et je ne réponds pas à la dernière question. Et moi, je pense que dans le cadre des matchs que vous avez entrepris pour faire le reportage là, vous avez une mauvaise adresse. Parce que le bâtiment flambant neuf, ça peut pompier. Il n'est pas au ministère du Commerce, il est sous boulevard à Rutrimand. On a noté que. Le chef d'adresse depuis août, après la mort au policier. Voilà, oui, mais sous permettre de répondre. Donc, dans le reportage là, nous avons ajouté ça. Ah, mais voilà. Donc, et nous avons des dispositions pour nous. Et ça fait pompier, dans le cadre. Troisième volet, plan de sécurité qu'il a annoncé, pour retourner dans le cadre qui répond à normes que la population a cherché. Pour l'équipement, effectivement, c'est la première fois dans le cadre d'une démarche de responsabilité partagée. Jean responsable, ça peut bien se dire là, avec un peu d'émotion. Il y a une chance de participer dans ces semaines. Donc ça veut dire que bah, il y a changé tout le monde capable de parler pour participer dans la discussion qui a un rapport à la sécurité. Oui, ça peut pompier, ils sont éléments déterminants dans un plan de sécurité. Nous sommes tant de besoins
nous noter, nous passer, nous voir bail ça y ont réponse. Cohésion institutionnelle, important et cohésion institutionnelle, là, comme moi t'ai joli, c'est SPN lui-même. Ni par une instance administrative, c'est une structure d'orientation. Donc, nous pensons que, étendez les questions ça, et tout à l'heure, nous avons demandé lui-même pour être capable de porter précision sur ça. Pour l'équipement, et moi, j'étendais effectivement, particulièrement dans Magic 9, les mois de 10 sont 19% des besoins que la police est réquisitionnée, des jeunes réponses positives. Et moi, ouais, que nous avons attribué 1% dans nos affaires blindées. Mais quand même, tout le monde comprend. Sécurité, pas on a fait de Takota, ni de Gofrap. Oui, blindé. Pour y rentrer dans le dispositif là, mais pour le moment, je devrais prioriser l'aspect sociologique sans des bagailles pour qu'il fait, pour nous baisser la pression sociale sur la politique et ça bien à l'aise. À travers, à partir des équipements légers en termes de casse, gilet pare-balles, bouclier balistique, qui est au même munitions, hein, munitions, qui est au même pour tes réponses à besoin de sécurité, ça, la population a cherché. Nous connaissons et Sodia est placé dans le dispositif de sécurité qui m'a dit en pile confidentialité. Moi, je pense dans les prochains jours, la police abandonne la situation. Ça. Pour parler des réformes. Et, faut qu'on d'accord, même Jean-Président Dili, bien ça, que nous-mêmes nous relayons la réforme des réformes. L'important, l'indéterminant. Moi, je pense que je dis, moi, c'est mon qui est mieux placé pour me dire à pays, non pas qu'à continuer à gérer pays ça dans un fait projet. Après 32 ans que je gagne dans l'État et plus que 26 ans dans le circuit, ou du moins ça est. Après l'État, moi en mesure pour nous dire nous pas qu'à continuer à gérer ce pays ça dans un projet. Un projet que l'État lui-même a fait avec le budget d'investissement. Projet tout qui a sorti la coopération internationale. Côté que l'État doit avoir une décision pour le plan ça. Projet retourne en routine. Corps débloqué, un pile belle machine achetée, un pile bel téléphone, dernier prix acheté, un pile laptop Mac acheté, un pile bel salaire, au final, pas jamais dire rien que le moment arrivé pour effectivement nous rentrer dans les affaires réformes, réformes administratives. Réforme institutionnelle, réforme au niveau de la police, mais
ça m'a dit en pile technicalité, en pile compétence, et soit ça doit passer, Jean-Président dit, forme de réforme, qui c'est réforme à niveau constitution. Ok, nous serons à Teddy Wall, ma travail pour tes d'habitude. Une bonne question, Je déclare au pape sécurisé et carnaval 2021 dans Port-au-Prince. Est-ce que nous-mêmes, dans l'état-major, nous comptons faire appel à l'aide internationale ou bien quelle stratégie nous allons utiliser pour garantir la sécurité de la population qui va découler? En passant, merci, ministre de Justice, parce que vous informez que vous avez une tentative d'assassinat hier. Nous-mêmes, journalistes, nous sommes pas au courant de ça et nous sommes devant la direction générale de l'État-major. D'accord, monsieur le Premier ministre. Et ma première question. Sous remerciement au féminin justice, dans mon noté, monsieur le journaliste, dans le cadre de la convocation, madame Pierre, l'inspection générale, il y a un policier par balle. Et c'est balle qui a tiré en la direction de moi. On a parlé de hier moi-même. Nous-mêmes, nous travaillons depuis 7 février sur le comportement. Groupe policier ça y est, depuis l'inspection générale, jusqu'à hier. Et là, on a noté tout. Léon Moun, là, les amis, les tirer, c'est pas parce que Moun pas mourir. Donc, à peu près qu'on est, si il y a Moun de Moun. Que l'enquête a mené, c'est pas parce que Moun pas mourir par une tentative d'assassinat. Et il y a Moun de Moun dans ça. Ok, vous sécurisez la population, il y a Moun dans le carnaval. On dit que vous êtes avec policiers. Oui, vous déclarez au pape sécuriser le carnaval à Nia. Est-ce que vous êtes prêts à temps, vous êtes prêts à sang, vous êtes prêts à une approche mathématique de ce qu'on fait là? Mabdo, tout simplement, je dis à notre travail sur un nombre de 15 000 policiers. Tradition sur toute la vie. D'abord, tu as gagné, et dans le cadre de construction espagnole, tu as gagné un responsable de décision. Rappelez-nous que le carnaval a fait un partenariat avec la mairie. La mairie a une responsabilité pour nettoyer ce site-là. Commencer à rebâtir le service et le rebâtir déjà dans sa veste. Vous pouvez manifester? Ah non. Ma, tout simplement, demander au secrétaire d'État de communication là. Sa loi sur la police l'a dit pour le Daouli, le ça ou je le poste à la dame. Collision institutionnelle, n'a pas de DGA rapidement. Et, par rapport avec collision institutionnelle, moi je l'ai dit au début que mon idée dans cette police-là, nos cultures corporatives dans la police. Et, bon, or, c'est ça qui fait que la police a fonctionné. Mesdames, messieurs, merci. Merci, Diego Charles. Merci, Jean-Louis. Premier ministre. La loi Grassi, qui vient pour manifester. Hein? La loi Grassi, ça. Hier, on a été. Policiers, ils sont sortis sur route d'Elma, niveau aéroport. Ils ont monté d'Elma. Ils ont arrivé devant l'élection.
police nationale, yo gagné un comportement qui est contraire à la loi. Pour faire tant de voix, yo. Les yo vivent sous chaque qui contraire à la loi. Quel que soit le monde, quel que soit le groupe qui décide de manifester, qui gagne un comportement qui contraire à la loi, qui dérange tout le monde, la loi dit clairement qui ça la police doit faire dans ce sens-là. Merci. Jean secrétaire d'État dit Dili, nous finissons avec la première phase là. Et deuxième phase là, la responsabilité, la demande de faire un message ça à la nation. Merci. Note de presse. Le gouvernement de la République a observé avec consternation que des policiers se réclamant d'un syndicat autoproclamé, accompagné d'individus encadrés, le lundi 17 février 2020, ont attaqué la direction générale de la police nationale d'Haïti, puis le feu au stand dressé dans l'heure du champ de Mars en préparation du carnaval. Ces actes barbares, illégaux, inadmissibles et indignes se calent derrière leurs revendications pour semer le trouble et le chaos. Ils profitent des moindres occasions et défaillances pour s'attaquer aux institutions. Co-auteurs et complices doivent s'assumer pour éviter la population en général qui n'a pris acte des revendications des policiers avec leur statut et avec leur service. Le gouvernement, par l'organe, apprécier les dites revendications. À l'occasion, c'est un moment difficile que traverse le pays. La police nationale, 5 ans, a connu un cheminement qui, en dépit de certaines lacunes, lui a permis d'encadrer la population. Cette institution doit être exempte des secousses policières pour rester au service de la démocratie. Le gouvernement entend y veiller. Le gouvernement de la République demande aux valeurs policiers et policières, gardiens légitimes de leur public, d'agir en toutes circonstances avec calme, dans le respect de la discipline et des règlements. Les applications policières doivent emprunter un comportement digne et respectueux des dispositions légales et réglementaires. Port-au-Prince, le 18 février 2020, Jean-Michel Lapin, Premier ministre. Merci beaucoup. Démarrer,